Bonjour à tous, bonjour la team geek. Vous allez bien? En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Legion Mushroom. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler des compétences et des acolytes. Je vais vous montrer une façon de pouvoir présélectionner toutes vos compétences pour pouvoir les mettre et prédéfinir sur des boss à l'avance. Par exemple, je veux attaquer le boss de guide ici, le Grumpy à grande tête. Prédéfinir les compétences dès directement à l'attaquer. Si je veux prédéfinir des compétences pour les donjons, pour l'aventure, pour les arènes, je peux tout prédéfinir, comme ça j'aurais plus rien à gérer et dès que je commencerai à jouer, tout serait prédéfini, j'aurais pas besoin de changer moi automatiquement. Enfin, moi manuel, pardon. Pour ce faire, il faut venir ici dans ce petit symbole de t-shirt. Vous viendrez ici. Non, c'est ici, c'est ça. C'est ici, il faut venir ici au bagage prédéfini. Vous venez au bagage prédéfini et vous avez la possibilité de prédéfinir les compétences, celui-là, prédéfinir les compétences que vous aurez pour vos combats. Donc celui-ci, par exemple, il propose des arènes, match, classement, ça, ça va. Donc si vous faites des arènes, vous pouvez prédéfinir un set que pour l'arène. Celui-ci, pour gratter les Grumpy, il vous faut un set plus Grumpy. Combat de maison, combat de maison. Comment prédéfinir tout ça? Vous voyez, il y a 7, 1, 7, 2, 7, 3, etc. jusqu'à 5. Pour les prédéfinir, il faut venir ici, vous cliquez en haut ici, et c'est ici que vous prédéfinissez. Donc voilà, vous cliquez là-dessus, vous cliquez là, vous mettez, comme moi j'ai mis par exemple, boss. Donc là, moi je sais que le jeu, ça c'est boss, il y a des compétences pour le boss. Donc je viens ici, et je prédéfinis les compétences, donc moi c'est 7-2 pour le boss. C'est pour lui, voilà. Je sais que ça sera que pour le boss. Et comme ça, ça sera prédéfini. Là, vous pouvez prédéfinir pour tout cela. Voilà. Et si prédéfinir les 7, moi, ça, c'est pas très important. Et pour l'instant, et ça non plus pour le moment. Voilà. Donc, c'est surtout ça à regarder. Comme ça, vous prédéfinir ce match arène, le boss et les combats de maison. C'est bizarre qu'il n'y a pas les autres. C'est dommage. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous et bonne game.